الزول في اللون تيكو سان كاكودون اللي اسمه ابراهيم غاتير اتزرم ماكوذي ويدي اون ميسيون تجديد ومسمى اشو زرا ان فرونسي كوا دو نوف نيغ دون فرونسي امي ان فغاونا ادينين دو توت لي زوريزون de toutes les citoyennetés et de tous les domaines d'expertise en politique, en économie et en sciences. Achou Idaran, Abn Mislei Ghar, Kidaran de Dounis. Assagi, Adna Wiawen, Aflvot Idaran de Marikan ou Sénégui. Anvgiou Boussagi, c'est M. Morteda Zabori. Il est politologue. Ancien économiste et professeur dans une des universités de Montréal au Canada, mais il a une expertise de 20 années dans le domaine des mutations mondiales. Et c'est un sujet important qui touche aujourd'hui les élections présidentielles aux États-Unis. Bonjour, Monsieur Mortada, c'est un plaisir de vous avoir ce soir. Un plaisir pour moi aussi. Afin de décortiquer l'événement présidentiel aux États-Unis, c'est tous les yeux du monde qui sont braqués sur cette puissance mondiale. D'ailleurs, on va se poser la question après, est-ce que c'est toujours une puissance, okay? La première des questions que je voudrais aborder, il est dit, et ça je reprends ce qui se dit à travers les médias, les réactions des gens de la rue, des citoyens, que la démocratie a parlé. L'Amérique s'est réveillée et le monde s'est libéré de la psychose. Mais quelle psychose? La psychose trumpiste. Est-ce que le trumpisme existe réellement? Oui, oui. S'il vous plaît. Ben, d'abord, ce n'est pas tout à fait une élection. C'est une bataille terrible entre deux visions de l'Amérique. Oui, d'un certain point de vue, on peut dire que c'est la démocratie dans le sens où c'est les grandes masses qui sont en train de bouger, 70 millions d'un côté, 70 millions de l'autre. Ce n'est pas tout à fait une élection dans le sens où c'est deux conceptions de l'Amérique, deux conceptions de l'État américain, deux conceptions de l'avortement, deux conceptions des armes, deux conceptions des rapports au reste du monde, deux conceptions de la définition même de l'Américain. Par exemple, le groupe de Trump ne voit l'Américain que comme le WASP, White American Protestant, des choses comme ça, c'est-à-dire les gens qui sont à l'origine de la fondation des États-Unis. Et donc, les Noirs, leur fonction, c'est d'être soumis. Les immigrants, c'est leur fonction, c'est de faire les petits boulots. Et ils considèrent qu'ils sont colonisés par un establishment de Washington que représenterait justement le nouveau président ou le nouveau candidat président, présidentiable actuellement. Et c'est pour ça que le monde regarde, parce que la question qui est en train de se poser, c'est que est-ce que cette affaire-là va se dénouer de façon pacifique ou par les armes? On va aborder la question, elle est très importante de se dire qu'est-ce qui va se passer dans les jours, les semaines et les mois à venir, compte tenu de l'entêtement de Donald Trump, de ce non-reconnaissance. Des résultats et de l'élection de Joe Biden. Mais on revient un peu pour analyser ce profil qui a laissé ses marques. Il y a eu beaucoup de républicains qui sont passés, le père et le fils de Bush et le reste, mais ils ont mené une politique républicaine, mais ils n'ont pas laissé d'impact tels que la peur, la psychose, tels que la colère et la division. Ils ont quitté la Maison-Blanche, mais le peuple, dans une certaine mesure, est resté uni, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la rue dit qu'il y a une corruption intellectuelle, qu'il y a un cauchemar trumpiste, qu'il y a une psychose trumpiste, une tyrannie du racisme. Tous ces éléments-là, vous ne pensez pas que c'est une conception d'ordre psychologique autour du pouvoir de Trump,
lui qui n'est pas universitaire, c'est un affairiste. Oui, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une élection. C'est parce que le Trumpisme, au-delà de Trump, c'est à peu près 80 millions d'Américains qui considèrent qu'ils ne sont plus chez eux. Que la mondialisation a fait qu'un establishment se nourrit d'immigrants qualifiés, qui les dirigent, dont la vice-présidente, et qu'ils veulent défendre leur Amérique telle qu'ils la voient. Et évidemment, ça choque la conception traditionnelle, parce que le Parti républicain habituel, c'est un parti qui se jouait à l'intérieur d'une conception des États-Unis, démocrate ou républicain, c'est des nuances. Et puis à l'intérieur du Parti républicain, il y a 36 000 tendances, comme à l'intérieur du Parti démocrate d'ailleurs. Et ils faisaient à peu près la même politique. Le problème, c'est que ceux-là considèrent que la mondialisation a déclassé les blancs américains à l'extérieur et elle les a déclassés à l'intérieur par l'establishment des immigrants qualifiés qui viennent d'un peu partout. Et donc, c'est un affrontement. Alors, est-ce que cet affrontement va générer de la violence? Va générer de la violence ou pas? Est-ce que les résultats sont réels ou fictifs? Ça, on ne le sait pas. Alors, c'est ce qu'on nous dit. Mais dans la tête des autres, il y a un coup d'État qui est en cours. Et donc, ils préparent un contre-coup d'État. Moi, j'avais déjà prévu, il y a une dizaine d'années, qu'une guerre civile était potentielle aux États-Unis, parce que le corona paralyse l'économie, parce qu'il y a un déclassement des États-Unis. Ils n'ont plus. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le niveau de vie des Américains repose sur le statut du dollar. Et le statut du dollar leur donne 50% de plus comme niveau de vie. Si le dollar devient une monnaie comme les autres, ils perdent 50% de leur niveau de vie. Okay. Et donc ça crée un affrontement. C'est toi ou moi qui surtout si la répartition n'est pas faite. Donc Trump, oui, c'est un gars atypique, c'est un gars chauvin, c'est un gars étroit. Et quand il dit l'Amérique d'abord, c'est presque qu'il dit les WAPS d'abord. C'est ça. Mais ils se sentent en train de se noyer. Ils n'ont pas le sentiment qu'ils veulent dominer. Ils ont l'impression qu'ils sont en train de se noyer par rapport à un envahissement, les Chinois, la mondialisation, etc. etc. Le problème, c'est que ce n'est pas une solution. Absolument. On sait qu'aujourd'hui, il y a une problématique qui est là, qui est présente, deux antagonistes qui s'affrontent. À part égale, parce qu'il faut se dire que Trump, il a 70 millions de citoyens américains qui ont voté pour lui. C'est un poids, un poids citoyen, un poids politique, un poids économique. Joe Biden, il a 74 millions. Donc, les rapports de force sont à l'état d'équilibre. Maintenant, si on prend en considération le discours de Joe Biden, où il dit aux Américains, je vous donne ma parole que si je serai votre président, je ferai ressortir le meilleur de nous-mêmes, mais pas le pire. Je serai un allié de la lumière et non des ténèbres. Donc il y a une sorte d'un discours émotionnel qui va dans le sens d'aller chercher l'autre partie de la population. Maintenant, derrière ce discours qui est clair, parce qu'il parle de la science, c'est très important, on va revenir après, c'est unique au monde, c'est exclusif, parce que si on voit tous les discours de tous les pays du monde, et pas de certaines idéologies de la politique, mais jamais de la science. Mais on va revenir sur la question de la science après. Si on analyse le discours de Biden, qui a la volonté d'aller unifier l'Amérique, on voit sa position qui est fragile, parce que la moitié de l'Amérique est divisée, mais on voit aussi que le Sénat, s'il n'arrive pas à avoir le Virginie, il n'aura pas les 50%. Ça veut dire que tous ces projets vont être bloqués. Comment il pourra faire ressortir l'Amérique des ténèbres à la lumière, d'après vous?
Non, c'est-à-dire, quel que soit X, qu'il ait la Virginie ou qu'il ne l'ait pas, il ne peut pas faire. Parce que le problème, nous vivons une grande mutation mondiale. Cette mutation, elle est valable à Bchar comme à Washington. Elle est valable partout et dans tous les domaines. La question, c'est qu'il y a un prix à payer, un pas de porte à payer pour rentrer dans le 21e siècle. Nous avons immigré, on a payé. C'est le prix, c'est l'immigration. Donc on parle de transition. Et c'est une transition coûteuse. Okay. Coûteuse. Qui a un prix. Qui a coûté. Le problème des Américains, cette transition a commencé à peu près avec les guerres du Vietnam, disons. Et on est à la phase finale. Les Américains ont refusé de payer le prix. Parce que maintenant, ils perdent en compétitivité dans tous les domaines et ils commencent à dire on va protéger, on ne va pas laisser la cinquième génération des téléphones, on va pas Boeing à 10 ans de retard sur Airbus, etc., etc. C'est-à-dire ils perdent en compétitivité et donc c'est pour ça que tant qu'ils avaient un monopole extrêmement important sur plein de choses, c'était possible de faire de l'Amérique le pays de la chance. Maintenant, ce n'est plus possible. Donc il faut trancher d'une manière ou d'une autre. Mais en même temps, quand ils touchent, ils utilisent le dollar comme arme pour sanctionner X, Y, Z, les gens vont mettre les monnaies alternatives. Or, tout ça repose sur le dollar, parce qu'eux, ils impriment le dollar pour importer. Ils ont un déficit de presque 1000 milliards dans le monde. Mais ça ne pose aucun problème, parce qu'ils impriment le dollar, parce qu'ils ont le monopole sur la monnaie. Et c'est cette équation qui est ébranlée et l'Amérique n'a pas, parce que ça peut être un pays de prospérité, ça peut l'être, parce que l'Américain est un travailleur, l'Amérique est un pays qui a beaucoup de potentialités comme géographie, etc. Il y a une diversité de géographie et d'ailleurs c'est ce qui va se passer. Mais il y a un prix à payer pour abandonner une certaine façon de voir le monde, de faire le monde, d'accueillir le monde, parce que ça ne peut pas être la terre d'accueil de tout le monde. Et c'est pour ça que ce que dit le candidat président n'est pas évident, n'est pas vendable, mais ce que dit Trump ne l'est pas non plus. C'est-à-dire, donc on est à peu près dans l'impasse. Et c'est pour ça que moi je pense que on a cru en l'ancien président, comment il s'appelait, Obama. Obama, ouais. Yes Weekend. Bon, il a déçu. Ensuite, on a mis celui-là. On pense que. Parce que les gens cherchent le prophète qui va leur ouvrir la voie. Il y a un prix à payer. C'est tout. Oui. On revient à la raison. D'ailleurs, on voit le fils Bush qui a pris position aujourd'hui et qui a déclaré qu'il reconnaissait l'élection de Joe Biden. Donc il y a une... Non, c'est autre chose. Ça, oui. C'est l'establishment. L'establishment veut éviter la guerre. Exactement. Donc c'est pour ça que moi je reviens pour vous dire qu'il doit avoir un consensus, sinon c'est la fin de l'Amérique. Je pense que les Américains, si on voit à travers leur histoire, quand ils arrivent à la frontière de la fin, ils reviennent. Ils reviennent parce que je pense qu'il y a des forces occultes qui dirige la politique de ce grand pays, qu'il y ait un consensus entre les deux blocs, que moi j'appelle des antagonistes idéologiques, entre les républicains et les démocrates. Et comme on sait que les républicains, ils sont très conservateurs, ils s'enferment sur eux-mêmes. Les démocrates, c'est des personnes qui souffrent avec le monde extérieur. Les républicains, leur force, c'est les créateurs de l'emploi. Les démocrates, c'est la force de production qui sont les travailleurs de la classe moyenne. Donc il y a un antagonisme, mais à un moment donné, ils vont retrouver l'équilibre parce que sinon, c'est la perte de l'Amérique. Et si l'Amérique rentre dans une guerre civile, c'est une grande partie de ce monde qui va être déstabilisée. Vous, vous avez une vingtaine d'expertise dans les mutations internationales, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, l'Amérique est en pleine mutation et qu'autour de l'Amérique, il y a une grande partie de cette planète qui sont en mutation, qui se trouve en mutation? Et dans quelle direction on va? Moi, je ne pense pas que c'est la fin de l'Amérique. Parce qu'ils ont une guerre civile, mais ça n'a pas empêché l'Amérique de survivre. Ils vont rebondir, mais c'est un autre format.
Mais les formes de lutte sont différentes, les instruments de combat sont différents. C'est clair, c'est clair. Non, ça va être une guerre civile violente qui va durer une dizaine d'années, ça c'est clair. Ça, ouais. Les incidences mondiales vont être énormes et on ne fait que commencer. Cette bataille ne fait que commencer. Comme le corona d'ailleurs, il ne fait que commencer. On en a pour 4-5 ans aux États-Unis. Mais pourquoi ? Parce que toutes les conditions qui ont fait que l'Amérique soit ce qu'elle est, n'existent plus. Et donc, ils sont en train de prendre toute une série de mauvaises décisions par rapport à une mutation qui est en cours. Par exemple, les gens investissent massivement au Japon, en Corée, en Chine, en Allemagne, en France, en Suède, pour passer à la post-carbone économie. Eux, ils s'accrochent et ils vont vers les schistes bitumineux. Et le corona, il dit, tu portes le masque, c'est que tu es démocrate, tu ne le portes pas, tu es républicain. Donc, il croit même plus dans la science. Donc, il y a une série de situations qui font qu'il y a toute une expertise qui est obsolète. Et le problème, c'est que Bush et le père Bush et tout ce monde-là, c'est l'establishment, eux, ils veulent la paix, c'est tout. Ils veulent la paix. Mais ce n'est pas parce qu'ils la veulent qu'ils vont l'obtenir. Parce que le problème, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un prix à payer. Qui est le président qui est capable de dire aux Américains, il faut baisser le niveau de vie de 50% si vous voulez qu'on redémarre? Personne ne le fera. Qu'on ne peut plus accueillir autant d'immigrants. Mais ça veut dire qu'on ne bloque pas le Mexique, on ne bloque pas l'Amérique du Sud. On les laisse se développer parce que la déstabilisation des autres profitait aux Américains. Bon, donc il y a un effet monopole qui est en train d'être perdu. C'est la même chose, ils bloquent la G5, la téléphonie de 5e génération, ils ne pourront pas. Ils bloquent la Chine, ils ne pourront pas. Ils dépendent de 80% des médicaments qui viennent de Chine. Des médicaments, l'équipement c'est la même chose. Ce qu'ils pensaient, c'est que la mondialisation allait les arranger parce qu'ils sont le lieu de la science et de l'innovation. Okay. Mais là, ils découvrent qu'ils ne le sont pas, ils ne le sont plus. Ils sont dépassés par d'autres forces. Mais maintenant, ils vont rebondir. Par contre, parce que les Américains, c'est des travailleurs, c'est des gens qui peuvent être rationnels. S'il y a une cure d'amaigrissement qui passe, une cure de désintoxication, mais on aura un autre type d'État. Mais c'est déjà arrivé. Les soviétiques, personne n'attendait à ce que ça craque. Elles reviennent aussi. Mais sur la base de ce constat, il va y avoir certainement une reconfiguration de l'Amérique il y a une guerre, la pandémie c'est une guerre. La pandémie c'est une guerre contre un virus, il y a autour de 240 000 morts et ça continue, donc il y a une urgence sur le plan sanitaire. L'économie aussi, ils sont à l'état de fragilité parce que la pandémie a paralysé le développement économique. Sur le plan politique, c'est la même chose. Donc, ils sont condamnés à avoir un consensus. Maintenant, on va dépasser la frontière de ce consensus. Et puis, on se dit, tiens, la Virginie va apporter les deux éléments qui manquent pour Joe Biden. Et puis, 50-50, c'est la vice-présidente qui tranche. Quand ils ont 50-50, la parole revient à la vice-présidente. La vice-présidente, elle est afro-indienne, d'origine, donc elle a beaucoup d'émotions contre les peuples opprimés, notamment dans certains écrits, j'ai vu qu'elle a une empathie vers les Palestiniens. Quelque part, j'ai lu ça dans un des commentaires. Maintenant, donc je dis je passe, Joe Biden fait passer ses lois, et puis on les revoit sur la scène internationale. Des dossiers chauds. Le premier dossier, c'est le dossier iranien. Le deuxième dossier qui touche une grande partie de ce monde, notamment les musulmans, les arabes et le reste du globe, c'est israélo-palestinien. On fait une analogie entre Obama et Joe Biden. Joe Biden était son vice-président. Ça veut dire que toute la productivité politique sur la scène internationale était sous la plume de Joe Biden. C'était le plus proche. On va à l'Iran.
on relève les sanctions sur l'Iran, on laisse faire sortir le pétrole, le gaz iranien. C'est quoi l'impact sur le plan régional et international? Oui, oui. Non, l'incidence sera multiforme. D'abord, c'est une énorme désillusion. C'est-à-dire, c'est comme il y a plein de sociétés, de milieux qui pensent que l'Amérique, c'est le rêve, et le rêve est en train de se casser, c'est tout. Concernant l'Iran, en réalité, ils ne pourront plus appliquer la sanction, que ce soit Trump ou que ce soit le nouveau président. Excuse-moi, la levée des sanctions. Oui, oui, ils ne pourront pas les appliquer, même s'ils veulent, parce que les autres sont en train de mettre en place des mécanismes. Les Chinois ont déjà créé un SWIFT, les Russes ont créé un SWIFT, les Turcs ils ont créé un SWIFT, pour que le pétrole, parce qu'il y a le pétrole comme matière, et il y a le régime énergétique qui est organisé autour des pétrodollars. Et c'est ce régime qui est en train de se casser, ce n'est pas la matière première. Mais de toute façon, les Américains, ils ne pourront pas créer des emplois, donc ce qui fait, c'est que le baril va forcément s'effondrer. Le prix du baril ne peut que baisser. Et le prix du gaz ne peut que baisser. C'était surtout que l'Asie, enfin, le monde met 1 milliards, 1 milliard d'heures de recherche par mois pour dépasser pour trouver des nouvelles sources énergétiques. Pas seulement, pour se passer du pétrole et du gaz. Oui, oui. Par exemple, les Français sont en train de mettre au point une sidérurgie sans carbone. Oui. Ils veulent récupérer et interdire tous les plastiques. L'industrie automobile aussi. L'industrie automobile, etc. Oui. etc. Oui. Les Allemands, ils ont mis une peinture qui ne se salit jamais pour ne pas renouveler. Donc il y a une mutation qui est en cours. Le Canada, par exemple, essaye de remplacer les engrais azotés par un vieux champignon qui permettait aux céréales de pousser. Exact. Mais il a été détruit par les azotes, donc il faut reconstituer. Mais de façon générale, l'Amérique du Nord est en retard. Les Chinois, ils ont mis une machine à laver sans détergent, c'est des ions qui dégagent les molécules. Donc il y a un gros travail de recherche. Donc ce qui fait, c'est que d'un côté, il y a une offre d'énergie qui sera de plus en plus grosse, qui va déclasser le pétrole, y compris à plus d'énergie carbone qui est offerte, c'est-à-dire pétrole, charbon, gaz, etc. Et donc le prix va baisser. Et donc tous les Moyen-Orient vont être déclassés. N'a plus aucune importance. Ok. Ça va redevenir un désert. Et la zone MENA, l'Algérie par exemple, si elle continue à peser sur le pétrole, le niveau de vie ne peut que revenir. Moi, je l'ai dit d'ailleurs dans une table ronde avec l'ancien Premier ministre, l'Algérie c'est un pays agricole d'abord. C'est pas un pays pétrolier. Vous faites une erreur en disant que c'est un pays pétrolier, vous faites une illusion. Bon, donc ça veut dire que la restructuration sera énorme. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'elle soit assez lente pour que les consciences prennent conscience, le temps de prendre conscience. Et le temps de, comment dirais-je, de prendre des mesures. De restructurer dans l'ordre les choses. Mais sinon, ça va se passer de façon brutale. C'est clair. Et même Israël ne sert plus à rien. Elle ne sert plus à rien pour les Américains. Bon, il y a des considérations religieuses qui rentrent en jeu, etc. Il y a une partie de la base de Trump qui voit le judéo-christianisme comme étant la catastrophe du judaïsme va faire revenir le Christ. Celle qui a été nommée à la Cour suprême, c'est ce qu'elle pense. Il y a tout un groupe comme ça, il y a les groupes armés qui sont associés à cela. Donc, ce qui est extraordinaire avec cette mutation, parce que c'est une mutation extrêmement positive, ce n'est pas une mutation négative, c'est que c'est la première fois qu'une mutation de cette ampleur se déroule sans guerre mondiale. L'émergence de l'Europe, c'est la planète qui a été mise à feu et à sang. Pendant 100 ans, avec l'industrie de l'esclavage, avec les colonialismes,
La chute de l'Angleterre, la montée de l'Amérique, c'est deux guerres mondiales et une crise de 29. Et donc celle-là, elle est relativement douce. Oui, elle est pacifique. Mais elle est présente. Qu'elle se déroule sous la forme de... Oui, elle est pacifique. ...guerre civile américaine ou... Elle est froide. Elle est là, elle est présente. Elle est relativement paisible. Oui, paisible, parce que si on voit la prise de l'économie mondiale par les Chinois, c'est déjà une forme d'exploitation, une forme de prise entre les griffes d'une économie. Le monde entier est tributaire aujourd'hui. Regardez, la pandémie est arrivée, on cherchait des masques, on cherchait du médicament pharmaceutique, du matériel médical, mais on s'est tous retournés vers la Chine. Donc on se rend compte que la Chine, dans le cadre et c'est ça qui a fait réagir Trump, il s'est rendu compte finalement que l'Amérique est faible face à une pandémie, face à une guerre mondiale. Okay? Donc, je reviens sur un autre sujet dans le cadre de relations Trump avec le monde extérieur. On voit qu'il y a certains présidents qui ont certaines représentations politiques internationales qui ont félicité timidement, diplomatiquement Joe Biden. Il y a d'autres qui sont restés dans un jeu mi figue mi raisin. Mais il y a d'autres qui sont dans le désespoir, tels que Netanyahu, qui a dit c'est un grand ami qui a fait beaucoup pour Israël, tels que Marine Le Pen. Marine Le Pen qui a la fameuse expression historique le 9 novembre 2016, elle a dit l'Amérique libre, pardon, elle a dit l'Amérique libre. Et aujourd'hui, le reste du monde dit l'Amérique libre. Donc, lequel de ces visions, la superposition de visions qui a plus de raison, de logique. Donc, Trump, il avait beaucoup plus la relation avec la Slovaquie. Il a beaucoup donc, Trump, il avait beaucoup plus de relations avec, entre guillemets, les dictateurs de ce monde. Est-ce que son pouvoir, il a un caractère dictatorial? Vous savez, la suite de ma question, regardez, si vous me permettez, oui. Est-ce que ces agitations aujourd'hui, n'entrent pas dans une stratégie pour préparer les élections de 2024? Non, je ne pense pas qu'il y a... Ils ne sont pas en état de faire des... Ils sont pas en état de faire des stratégies. C'est-à-dire, ils essayent de survivre. Le mot libre, l'Amérique libre, la liberté, n'ont pas la même signification d'un groupe à l'autre. Pour les gens comme Le Pen, Trump et plein de monde comme ça, parce qu'il y en a, un peu partout, il y en a en Allemagne, etc., c'est un monde de blancs, de wasps. C'est-à-dire, tous ces flux migratoires et ce type de mondialisation leur a fait perdre leur liberté. C'est ça le... La deuxième des choses qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui ont félicité Trump, ils font partie du même establishment dont l'objectif, c'est de bloquer la possibilité d'une guerre civile. C'est-à-dire de dire, il faut accepter, on est d'accord, même l'OTAN, le secrétaire général de l'OTAN a félicité. L'OMC, alors que légalement, formellement, le président des États-Unis, c'est toujours Trump. Oui, au 15... C'est-à-dire, ça ne s'est jamais passé comme ça. L'autre, c'est un candidat élu éventuellement. Mais ça n'a jamais été contesté. Là, donc il faut attendre que les tribunaux, etc. Mais le président, c'est toujours Trump. C'est-à-dire qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est lui. Il n'y a que lui qui peut signer des décrets pour le moment, etc. Donc, l'écart qu'ils ont fait, c'est le souci de dire, OK, on ferme, on reconnaît, on accepte. OK, donc ils se sont libérés, finalement. Non, ils ne sont pas libérés, ils tentent, mais est-ce qu'ils vont pouvoir? C'est-à-dire, c'est comme il y a un volcan, tu dis, écoute, je vais le bloquer avec ma main. Tu peux le bloquer, tu ne peux pas le bloquer, ça c'est une autre affaire. Je veux dire, là il y a une mutation qui... Mais pour Trump, lui, il pensait que
parce que lui faisait en fait un coup d'État, mais pas au sens péjoratif, mais dans le sens où il faisait une autre Amérique. Ouais. Une autre Amérique. Une Amérique de WASP. Okay. C'est ça qu'il était en train de faire, fermée, etc. Une dernière question, Monsieur Mortéda. Nous savons qu'en Amérique, il y a quatre pouvoirs. L'exécutif, législatif, juridique, et puis les médias. On n'a jamais vu les médias censurer le président. CBC, CNN, ils l'ont censuré en plein discours. Est-ce que le pouvoir qu'ils ont leur permettrait de censurer un homme qui est toujours président, même Fox News, et s'est retiré tranquillement, elle qui a toujours défendu Trump depuis qu'il est au pouvoir, depuis qu'il est président. Donc cette quatrième force qui est censée être un des éléments de la démocratie, un des paravents de la démocratie, comment elle a agi aujourd'hui face à... Est-ce que c'est que Trump est fini, elle a chuté, c'est la chute du terrain? La ligne de démarcation, ouais, elle était touchée. C'est l'establishment, okay. Le politically correct et hors establishment. Trump n'est plus l'establishment. La question c'est comment ça se fait qu'il est arrivé président. Ça veut dire que le séisme est en train de faire monter au sommet des affaires, ouais, des gens hors establishment. Maintenant, l'establishment, il veut fermer, il veut garrotter cette ouverture, il veut calmer le jeu. Est-ce qu'ils pourront, ils ne pourront pas? Moi, j'en doute, sincèrement, je doute qu'ils puissent fermer le jeu. Et puis même, il y a des gens qui sont proches de Trump qui lui disent « Ok, on accepte, on lève la valise, etc. » Mais parce que pour les autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par la voie pacifique, on ne peut plus changer l'Amérique comme on la veut. Okay. Parce que celle de Le Pen libre, celle de Trump, n'est pas la même liberté que les autres. Okay. C'est la liberté pour les gens d'origine anglaise, protestants, qui ont fondé l'Amérique. Pour le blanc. Les autres, c'est des intrus, ils sont à notre service. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire, ils deviennent nos dirigeants? C'est un peu... Maintenant, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? C'est une autre affaire. Mais de toute façon, ça les servait avant, mais ça ne les sert plus. C'est ça la question. Absolument. Ben écoutez, M. Mortéda, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous dans cette première émission pour discuter d'un événement majeur qui est les élections des États-Unis d'Amérique. Ouais. Je ne sais pas si on les appelle toujours les gendarmes du monde, je ne sais pas s'ils sont encore gendarmes ou pas. Non, ils ne peuvent plus. Exactement. Votre dernier commentaire concernant la géopolitique mondiale avec le changement de la direction politique américaine. Est-ce qu'il va avoir un impact? Est-ce que l'establishment, comme vous le dites, ils vont rassurer la stabilité de l'Amérique ou le positionnement de l'Amérique sur le plan géopolitique, régional et international? Écoutez, moi j'ai deux commentaires très brefs. Le premier, c'est que monsieur tout le monde, comme les dirigeants, ont intérêt à comprendre la mutation qui est en cours parce que c'est l'histoire qui est en train de bouger. S'ils ne la comprennent pas, ils passent dans la trappe. C'est tout. L'Algérie, elle est en crise parce qu'elle n'a pas compris le changement et donc elle passe dans la trappe où elle peut passer ou elle peut ne pas passer. Ça, il y a encore une petite marge, mais pas beaucoup, c'est quelques années. Maintenant, l'enjeu critique, étant donné la mutation, c'était d'avoir quelques guerres localisées, dans une guerre civile américaine, ou une guerre mondiale. Parce que c'est ça. Là, évidemment, on a réussi à éviter la guerre mondiale, parce que c'est des mutations. Généralement, quand Rome est tombée, c'est la planète qui a été mise à feu à sang. Mmh. Quand Carthage est tombée, c'est la même. Quand le Khilafa est tombé, c'est la même chose. Quand les Européens ont émergé, à chaque fois, c'est la même chose. Cette fois-ci, c'est relativement pacifique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des endroits, et en particulier ceux qui s'agrippent, parce que l'Amérique a investi, depuis la guerre du Vietnam, une énorme énergie à résister au changement. Y compris, là, on ne met pas les masques, je ne sais pas quoi. Ils continuent d'être dans la même logique. Ils ont 1000 morts par jour, maintenant. Mais ils vont passer à 3000 morts. Et là, maintenant, le chef médecin, il dit, c'est une affaire de 6 ans. Le corona, il va durer 6 ans aux États-Unis. Okay. Donc, tous... Bon.
Ben, écoutez, donc, la seule chose, c'est que moi, j'invite, et en particulier nos compatriotes, à prendre conscience. À comprendre, parce qu'y compris dans l'éducation des enfants, il y a des choses qui n'ont plus d'avenir. Absolument. Le 20e siècle est derrière nous avec tous ces bagages. Donc, il faut investir dans l'essentiel. Il faut investir dans l'essentiel, mais il faut savoir ce qu'est l'essentiel par absolument, rapport à... définir ce qu'est par l'essentiel. Par exemple, quand on dit la Chine, c'est que pendant 2200 ans, ce monde de la route de la soie, moi je m'intéresse à ces mutations parce que je m'intéresse à la route de la soie, le monde de la route de la soie, c'était 90% du PIB. L'Occident s'est appelé Occident par rapport à cet Orient, parce que c'était eux la civilisation. Donc il y a eu 3 siècles où l'Occident, parce qu'il a trouvé, il a fait la révolution du moteur, et ça se joue à tous les niveaux, au niveau des technologies, au niveau de la consommation, au niveau des études, au niveau des rapports familiaux, ça se joue à tous les niveaux, au niveau des États, au niveau des communautés, des cultures. C'est pour ça que ce que nous vivons maintenant, c'est que c'est le tableau de bord qui s'est rallumé, c'est-à-dire on voit les voyants rouges, c'est tout. Ouais, ouais. Mais sinon... c'était déjà en cours. Donc moi, ce que je recommande, c'est d'investir dans la compréhension de ce phénomène. Excellent. Ben, écoutez, Monsieur Morteta, ça a été un plaisir de vous accompagner. Merci. Ou de s'accompagner ensemble pour débattre d'un sujet important, dans l'espoir de vous retrouver très prochainement sur d'autres sujets qui touchent notre planète ou qui touchent nos inquiétudes. Oui, oui. Je voudrais remercier TQ5 pour l'énorme effort qui est fait, la générosité de tous ces bénévoles qui essayent de faire quelque chose d'utile à plein de monde, qui écoutent, qui mettent de leur temps, qui mettent beaucoup d'efforts, de distance, de veiller la nuit, etc. D'autres qui offrent des ressources de différentes natures. Je trouve ça merveilleux et c'est quelque part les éléments constitutifs du 21e siècle. Absolument. Parce que tout ne sera pas marchand. À mon tour, je tiens à vous remercier, vous, les téléspectateurs. Sans vous, on n'aurait pas existé. Donc, qui nous suivent sur des sujets d'actualité, touchant de près ou de loin nos attentes, nos projections, notre avenir, nous sommes présents et nous le resterons. À très bientôt dans une autre émission. Au revoir.